Nay, sois vite, non? Ouvre l'enveloppe et on saura ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, je veux que vous deviniez ce qui est dedans. Je suis pas forte en devinette. Non, Moi, je vais deviner. C'est l'argent qui est dedans. Moi aussi. Je devine que c'est de l'argent qui est dedans. C'est l'argent qui est dedans. Ouvrez-les, non? Voilà. D'accord, d'accord. Attendez, oh. Regardons encore dans l'enveloppe. Il n'y a rien là-bas. Mon Dieu. Oh, il s'agissait au fait des photos de mariage de mon frère. Oh, qu'est-ce qu'ils sont jolis. Hey. Je pensais que c'était une lettre. Hein? Hey. Il n'y a pas d'argent en haut. L'argent? As-tu une idée qu'à ma photo? Non, regarde les photos. Hey. Papa, regarde comment il est bien habillé. Regarde comment il est beau. Hey, t'es la mon mon seul fils. Non, me dis encore. Il colle bien. Bien, amour. T'as l'air d'être un bébé, n'est-ce pas? Et comme nous, papa, il est là, comment on le colle? On met qu'à Nia. Hey! Quelle beauté! Omekanea! Colombia! Omekanea! Dedans, est-ce qu'on peut la lire? Cher aimable père et mère, je veux vous dire que Dieu a répondu à mes prières. Amen! Je suis maintenant un homme riche. Continuez de lire. La jeune dame que vous voyez dans la photo est ma femme. Hein? Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis maintenant un citoyen sud-africain. S'il vous plaît, dites à ma sœur que je l'aime tellement. Oh, mon frère, et que je pense je toujours aussi. À elle. Vous me manquez tous. À combien sud-africain? Hey. Est-ce qu'il sera encore étonné? Oh, pourquoi? Il va revenir, non? Parce que pas comme un sud-africain libéré. Et ça va. Oh, Omekane est un fils très sage. Il va revenir. Amen. Il ne va pas rester en Afrique du Sud. Ah. Moi aussi, en voisin, mon délai. Ok. Hey, hey. T'as là immeuble où on a ciment. Et ce qu'a battu les mains. À comment nous pouvons faire dans la boue? Hein? Hein? Hé! Hey. Est-ce que c'est là où ils habitent? T'as là mon langage au Bali. Regardez mon seul fils. Regardez mon seul fils. Hey, hey papa, regarde comment mon frère il a sapé. Hey! Hey! C'est au mécanéen. Hey. Je savais qu'il nous rendrait fiers. Hein? Oh, Dieu, toi, hey! Mon fils est devenu riche. Ego, bien chic. Mon frère, il a sapé. Mais moi, je pensais qu'il avait aussi mis l'argent dedans, non? Hein? Non, l'argent arrive. Il a dit qu'il était un homme riche. Cette femme l'a rendu riche. Amen. T'inquiète, l'argent arrive. Ah! Un grand homme. Il y a une femme. Il y a toujours une femme. Notre Dieu est grand. Il a exaucé nos prières. Hey! Hey! Nandi, mon fils. Bienvenue, boss. Merci. Comment vas-tu? Je vais bien. Où est ma femme? Elle est dans sa chambre. Ok. Chérie, ta voix ne sonne pas bien au téléphone. Tu vas bien? Bébé, je me sens fiévreuse. Oh mon Dieu. Nous devons aller voir un docteur, ok? Je vais bien, mais je n'ai même pas la force de me lever du lit. Ok, lève-toi. Oh. On y va. Thank you.
Ça va aller. Ça va aller. Je t'aime. Et je t'aime aussi. Bébé, pourquoi est-ce que tu as l'air ailleurs? Est-ce que tout va bien? Je suis inquiet pour mes parents. Je pense que je dois aller les voir. Ah, tu veux dire que tu veux m'abandonner dans cette condition et retourner au Nigeria? Non, chérie. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je vais juste aller les voir brièvement et revenir avant que tu n'accouches. Faut que tu m'en fasses la promesse. Je te promets. Comme toujours. Mon frère, c'est moi qui ai préparé ça et non maman. Qui t'a demandé? Si je gardais silence, tu l'aurais dit la vérité. Allez. Je n'avais pas de problème, c'est ta soeur qui avait préparé. Alors donne-lui les honneurs qu'elle mérite. Maman, c'est tellement délicieux. Tu as aimé la nourriture, maman. Hein? Oui, maman. C'est ta soeur qui a préparé, alors encourage-la. Quand part, tu as aimé? Merci. Tu as bien préparé. Hey,
Agonia. Oui, papa. Merci beaucoup. Je t'en prie. Maintenant que tu es revenu. Oui. Je vais te demander, quand vas-tu te marier? Je suis déjà marié, non? Hein? Je vous ai envoyé nos photos de mariage. Ne vous ont-elles pas été livrées? C'est vrai, tu as raison. Elles étaient livrées. Elles étaient livrées. Mais voici tout ce que je demande. Maintenant que tu es revenu, hein, tu as épousé là-bas une Sud-Africaine. Nous voulons que tu épouses une fille autochtone Igbo, c'est-à-dire de notre communauté locale ici, non? Hein? Kowa Deleketi. Ton père a raison de dire ça. Hein? Tu as épousé une femme sud-africaine pour avoir tout ce que tu as maintenant. Mais la vérité est que nos petites filles sud-africaines ne sauront pas s'adapter au système d'ici. Alors, ils ne sauront pas nous représenter comme il faut. C'est ça. Nous voulons que tu épouses une fille Igbo. Ok, ok. Je vais épouser une autre femme ici. Mais ce n'est pas à cause de ça que je suis de retour. La raison pour laquelle je suis là est que je veux démolir cette maison. Hein? Et la remplacer par une belle maison de maître ici. Vraiment? Ah, ah. Hein? Omekania. Si tu veux démolir cette maison, où est-ce que nous allons aller habiter? Pendant que tu seras en train de construire celle-ci. Ta mère a raison. Il y a des terrains partout. Tu peux choisir n'importe où pour construire le genre de maison que tu veux construire dans ce village. Hein? Laisse celle-ci d'abord. Ok. Hein? Ok. Ok. Pas de problème. Je vais commencer à faire des arrangements pour ça. Oh, des mains. Hein? Merci. Ah, et Godio. L'argent. Ah, que dis-tu? Fils, l'argent répond. Tu pleurais ici, non? Maintenant, tu commences à rire. On met un nez. Eh ben, tous ceux qui babou là, ils ont bien pas voulu bisous. Hey yo, tous ceux qui ont sépé là haut. Père, oui. J'ai remarqué quelque chose à l'église aujourd'hui, hein, quand le service se passait. J'espère que cela ne vous dérangerait pas si j'en parle. Oh non non, sens-toi libre. J'ai remarqué que beaucoup de personnes étaient debout quand le service se passait. Oh, oui. C'est comme ça qu'on se débrouille chaque dimanche. Débrouillé? Je ne comprends pas. Notre église n'a plus assez de place assise. Alors, les anciens membres cèdent leur place aux nouveaux convertis. Ça, c'est terrible. Ah. Ok. Je pense que ce que je vais faire est que je ferai un don de 100 millions de naira dans l'immédiat afin que l'église puisse construire un bâtiment plus grand pouvant accueillir tout le monde au même moment. 100 millions, tu as dit? Oui, par la grâce de Dieu. Les seigneurs te bénissent. Amen. Tu as toujours été un bon donateur. Dieu merci. Laisse-moi te dire, le Dieu Tout-Puissant va bénir la source de cet argent. Au nom du Père, amen. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Père. Je vais prendre congé de vous. Que Dieu continue à te bénir, mon fils. Merci. Namdé. Igwe. Tu es le bienvenu. Merci, Votre Majesté. Alors, comment ça va en Afrique du Sud? Maman. L'Afrique du Sud est calme et belle. Je peux très bien le voir. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Je te remercie pour la somme colossale que tu as donnée pour la construction de l'église. Igwe, comment le saviez-vous? Père John me l'avait dit. Il était ici très tôt ce matin, me demandant de libérer la forêt interdite, qu'il voulait construire une église là-bas. Alors, est-ce que sa demande a été acceptée? Bien sûr, oui. J'étais en réunion avec les conseils des anciens ce matin quand il est venu. Et nous avons délibéré sur ça. Et sa demande a été accordée. Ça, c'est bien. Votre Majesté. Bien, je vous ai apporté un cadeau.
je vous ai acheté une aimable Jeep et s'est garée dehors en vous attendant. Voici la clé de votre Jeep. Ça c'est bien, ça c'est bien. Que le Dieu te bénisse. Igwe. Hey, c'est bien. Merci. J'ai vraiment apprécié. Merci. Merci. Mais, il y a un adage qui dit, quand Dieu te bénit, tu dois aussi bénir les autres. C'est vrai. Il y a quelques personnes dans cette communauté, et la plupart d'entre elles sont des gens qui ont étudié. Je vais suggérer, si tu peux étendre ton assistance à ces personnes. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Je vais emmener certains d'entre eux en Afrique du Sud. Et je vais également construire des entreprises ici qui employeront le reste de la jeunesse. Merveilleux. Cela sera vraiment fantastique. Merci. Ça va vraiment être beau si tu peux faire ça. Merveilleux. J'aurais bien voulu te donner un titre ici. Mais je ne pourrais pas le faire, tu n'es pas encore marié. Nos coutumes interdisent de donner un titre à un homme non marié ou à une femme. Votre Altesse, je suis un homme marié. J'ai épousé une jeune dame sud-africaine qui m'a fait l'homme du succès que je suis aujourd'hui. Dans ces cas, je vais te couronner. Dis à ta femme sud-africaine que j'ai vraiment apprécié tout ce qu'elle a fait pour que tu deviennes ce que tu es. Que un jour, nous voudrons aussi la voir. Je ne manquerai pas. Votre Majesté, j'apprécie tous vos souhaits pour ma famille. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Je te souhaite un bon retour au pays. Nous profitons bien. Cette nourriture est vraiment délicieuse. Biloko Openza na ebité ezaki to komaka. Biloko kito komo. C'est bon. Non. Hey. Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois où on a mangé le poulet dans cette maison? Non. Poulet. Des poulets. Ça fait 3 ans. Oh! Depuis que Namdi est revenu de l'Afrique du Sud, toutes choses tournent en notre faveur. Franchement. Nous mangeons le poulet comme si nous étions à la Normandie. Et je vais dire que c'est Dieu qui l'a Et fait. Ne soyez pas jaloux. Hein? Hein? Nous profiter de la vie. Elgo Kapalaka est très solide. Si j'ai fini mon morceau, je vais aussi manger le tien. Gère le tien et je gère le mien. Hey, Dieu merci. Ça, c'est la tentation. Tu dis quoi? Non, c'est qui t'a fait ça. Mais le poquito que vous avez dit, c'est un peu comme ça. Non, Caraca. Non, mon chou, non, tu scoutes aussi la capacité. Si j'ai fini mon morceau, je vais manger les deux. Occupe-toi du tien et je m'occupe du mien. Comme elle est délicieuse, cette nourriture. Grand frère. Je peux te demander une faveur? Bien sûr. Pourquoi? J'aimerais apprendre à conduire. Comme tu avais dit que tu laisseras ta voiture ici, pour nous quand tu retourneras en Afrique du Sud, je voudrais être celle qui conduira papa et maman où qu'ils veuillent aller, au lieu d'employer un chauffeur. Ça c'est cool. Ok, je vais t'apprendre à conduire. Merci mon frère.
Tu seras fier de moi. Oui. Maman de Namdi. Maman de Namdi, oh. Hey, nous ne partons pas aujourd'hui. Hey, Anna oui. Et encore. Donc, tu es déjà prête pour la messe? Oui, bien sûr. Assieds-toi ici, comme ça tu m'attends, je m'apprête, on va partir. Il n'y a pas de problème. Mais, à qui appartient cette voiture? C'est la voiture de Namdi. Oui. Il est revenu? Ça fait déjà 3 jours. Honnêtement, je suis désolée. J'aurais dû t'appeler pour t'informer. J'ai perdu de vue ma soeur, pardon. Il n'y a pas de problème. Grand frère, je suis sexy. Oui, ça c'est bien. Ok, quel terrain penses-tu qu'il sera confortable pour toi d'apprendre à conduire? Grand frère, je pense que le terrain qui est près de l'Effité, là où il y a l'école des bonnes sœurs, serait parfait. Ok, allons-y. Bien, Romara, viens te mettre, ma sœur. Vraiment? Hey, c'est bien, oh. Maman, bonsoir. Bonjour, maman. Vraiment. Ouanaye, bonsoir. Bon après-midi. Merci, bon après-midi. Comment allez-vous, maman? Bien, oh. Hey. Okomi kitoko makasio. Hey! Talanzo to ningeza kitoko. Ton corps est vraiment en train de briller. Vraiment? Hein? Hey! Nous remercions. Radio! Dieu. Hey! Nalobi, oyonde jeep. Hey! Il a maintenant une posture imposante. Oui! Saragou, Saragou, bo, tira. Maman, il faut que je lui apporte quelques cadeaux. Ma soeur, ton tour aussi viendra. Amen. Et tout le même. Amen. Te rend de fruits de leurs entrailles. Seulement comme il a commencé, personne ne l'arrêtera au nom de Jésus. Amen. Les temps viennent où Dieu fera des prodiges. Amen. Je le crois. Wanner, s'il vous plaît. Ils sont pour vous. Ce sont vos cadeaux de la part de maman. Hey. Oye, c'est mon makasi boye. Réjouissons-nous ensemble. Oh. Mon fils, que Dieu te bénisse. Amen. Il a déjà béni. Merci infiniment. Merci, maman. Dieu va encore te bénir. Merci beaucoup. Il a déjà béni. Eh oh. Les chaussures. On peut nous occuper de quoi qu'on est dans une église. Hein? Attendez où? Mais comment je vais ouvrir ça? Anna, attendez, on va t'apprendre comment utiliser ça. Hein? Ok. Hein? Une fois que vous appuyez ici, ça s'allume. Dabé. Je vais commencer. C'est un téléphone. Akoya. Hey. Allô, allô. Hey. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Hey. Merci. Hey. Maman, il faut que j'aille lui apprendre comment conduire. Tu sauras apprendre aussi vite. Maman, fais-moi confiance. Ça, ce n'est pas les akala akala comme les petits Tao. Apprends-lui bien comme ça, va commencer à nous conduire à l'église. Avec okay, maman. Maman. Mon frère, on peut y aller? Ouais, non. On y va. Bye bye. Bye bye. Hey. Mon Dieu. Hey. Neo. Tu vas garder ceci pour moi. Hmm? Quand on va revenir vers midi, je vais les récupérer. Nzamba sa bolingo. Hey, asa malamwe. Danga. Rodongwa. South Africa, Ochelo Bodo Ibo Burike Wenata, Ninewe Iwe Kwete, Ezibo Bodomu, Ezibo Chiloswa, Arana Sumwa, Ochelo Bodo Ibo Burike Wenata, Ninewe Iwe Kwete, Ezibo Bodomu, Ezibo Chiloswa, Arana Sumwa. Onye chukwu kere ọgaranya ooo Iwu bụ na ọ ga-abịarịrị na mmezu Kama oge ka ọ ga-eri Onye chukwu bụ nuri enu ooo
nyango ba o nyango o twa kuwadi makana onye patari be anangu o twa de gasi o ala na jo hia ezi o gabani ruo wanebo chineke kube nazo makana o memani mele chukuo South Africa, Ojelo Bodo Ibo Buri Kewenata, Idewe Iwe Kwete, Ezi Bobodo, Ezi Ochiloswa, Arana Sumwa, Ojelo Bodo Ibo Buri Kewenata, Ezi Boti Idewe Iwe Kwete, Ezi Bobodo, Ezi Ochiloswa, Arana Sumwa. To be rich, it will surely come to pass. It may take some time, oh, some time, but it will surely come to be. When God blesses you with wealth, some people will say, it's an ill-gotten wealth, because of jealousy and envy. Keep moving forward, God is behind you. When you do good, you do it for God. When you do bad, it's on your head. When you are rich, help the poor, the needy and the downtrodden. Be good and generous. South Africa, Ojelo Bodo Ibo Burike Wenata, Kukutike Nenewe Iwe Kwete, Ezi Bobodo, Ezi Bochiloswa, Arana Sumwa, Ojelo Bodo Ibo Burike Wenata, Kukutike Nenewe Iwe Kwete, Ezi Bobodo, Ezi Bochiloswa, Arana Sumwa. Pourrais-je encore dire? Je remercie Dieu. Hey. Excusez-moi, sœur Elisabeth. S'il vous plaît, attendez. J'ai entendu votre témoignage. Hey. Praise God, Nemo. J'ai béni Dieu pour tout. Dieu a béni ma famille. Nazasum ta coquille la terre. Tinekena, merci. Sœur Elisabeth, quand vous étiez en train de faire le témoignage, le Saint-Esprit m'a révélé que votre fils est un ritualiste. Quoi? Non, comment est-ce possible? Mon fils? Un ritualiste? Oui. Ce n'est pas possible. Dans votre témoignage, vous avez dit que votre fils a voyagé en Afrique du Sud et est devenu multimillionnaire dans moins d'une année. Ok, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà vu quelqu'un ou avez-vous entendu parler de quelqu'un qui a voyagé à l'étranger et qui aurait fait de l'argent en excès comme votre fils dans moins d'une année? Il n'y a pas encore une semaine, votre fils a fait un don de 1 million de naira pour la construction d'un nouveau bâtiment de l'église. Oui. Une nouvelle sur qu'il avait amené une Jeep de nouveau modèle pour Igwe Ogivisi. Oui. Et donc, la source de son argent n'est pas pure. Dans moins d'une année. Ce n'est pas possible. Ok, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'était ça en fait la bonne question. Écoutez, tu dois l'affronter. C'est votre fils. Parlez-lui.
et dites-lui la vérité. S'il nie, alors dissociez-vous de lui et de tout ce qui concerne son argent. Afin que quand la colère inimaginable de Dieu s'abattra sur lui, que vous soyez épargnés. Hey. Oui. Écoutez, laissez-moi vous raconter ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 29, verset 18. Elle dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais seul celui qui observe la loi sera heureux. Maintenant, vous en avez une. Car le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses sur votre fils. Je vous demande d'être prudente. Soyez prudente. On abat le fer quand il est encore chaud. Car agir tôt pourrait sauver des vies. C'est tout ce que j'ai pour vous. Soyez juste prudente. J'ai vu et je vous ai dit. Je n'ai ni ajouté ni retranché. Hey! Merci, frère Isaac. Merci. Vous avez une mission. Que Dieu vous bénisse. Je dois retourner et finir ce que j'étais en train de faire. Merci. Mon seul fils, un ritualiste. Né, qu'allons-nous faire? Je suis ébahi. Ezali Gambo Penza. Parce que la façon dont il a gaspillé de l'argent quand il était revenu au village, cela prouve que c'est de l'argent facile qui n'est pas ici de sa suyère. Nandi, mon fils, qu'est-ce que les gens diront? Une fidèle aussi charismatique comme moi. J'ai un fils qui est ritualiste. Hé, hey, Nandi m'a tué. Maman, que fais-tu encore dans ce salon à cette heure de la nuit? Tu devrais être au lit dans ta chambre. Ce n'est pas ton problème. Hein? Où vas-tu à s'habiller comme ça? Hein? Comme un jeune homme. Le chef Ogbochavon m'a invité à prendre part au mariage traditionnel de sa fille. Ok. Donc c'est là où je vais. Tu as l'air élégant. Je vois ça, c'est cool. Comment suis-je? Impressionnant. Mais il y a quelque chose qui manque. Je le sais. Ok. Je le sais. Fais-moi voir ça alors. Attends seulement. Ok. Oui. Oh oui, oh oui. Papa, je vois que vous êtes prêt. Oui, je suis prêt. Okay. Oh mon Dieu, ça c'est cool. Il faut conduire prudemment. Hey. Et n'oublie pas de clignoter avant de changer de direction. Ok, hein? Ça marche. Ok. Prends soin de toi. Merci papa. Oh mon Dieu. Hey, Nayo Konko, bonjour. Obel. Bonjour. Comment tu vas? Comment vas-tu? Je vais bien. Que je dépose ça où? Là-bas où il y a monsieur. Dépose-le là-bas. Ok. Papa? Hein? Qui est celui-là? Il s'appelle Obel. Le fils de Okoyotaka. Ok. En fait, ce garçon nous aide beaucoup avec ta sœur en nous puisant de l'eau. Et nous cherchons des fagots de bois depuis que tu as voyagé à l'étranger. Ça c'est bien. Je pense que je vais le prendre comme mon aide et l'emmener en Afrique du Sud. Ça c'est bien, ça c'est bien. Mais tu dois voir ses parents d'abord. Bien sûr, je le ferai. Naï, au revoir. Hein. Oh ben, merci. Okay. Hein. Derrière Naï. C'est bien. Ok. Mban, hein? Laisse-moi aller. Quoi bien comme moi. Hein? Merci. Merci. Oh mon Dieu. Voilà.
Conduis prudemment, hein. Oui, oui. J'ai besoin de 100 sacs de ciment de plus maintenant. Oui, oui, tes éléments devraient les transporter immédiatement sur mon chantier. Mon ingénieur m'a appelé il y a quelques minutes de cela et il m'a fait savoir qu'ils n'ont pas assez de ciment pour travailler demain. Ok, qu'il soit rapide, hein? Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Nandi. D'accord. Bye. Nandi. Maman. Allez, prends toutes les histoires que tu m'as amenées de tes rituels et ton téléphone. Je ne veux plus rien de tout ça. Si je vois ça dans mon chambre, je vais les brûler. Maman. Est-ce que tu m'as compris? Maman, je t'ai entendu dire que mon argent est l'argent du sang. Oh, tu pensais que je n'allais pas savoir? Les dieux que je sers, les dieux omnipotents, les dieux omniprésents, il a tout révélé. Tu pensais que je n'allais pas savoir? Pardon, je ne peux pas être une mère d'un ritualiste. Oui, partout où je passe, Nandi, 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 tout est nu. Tu pensais que je n'allais pas savoir? Désormais, moi et toi, c'est fini. Je ne peux pas être une mère d'un ritualiste. Est-ce que je suis claire, Oyokinga? Quelque chose ne va pas bien. Qu'est-ce qui pourrait conduire ma mère à m'appeler un ritualiste? Quelque chose ne va pas bien quelque part. Ah ah! Hey, Jésus, hein? Tu veux dire qu'elle a jeté dehors tous ces articles chers que tu lui as achetés? Oui, et elle menace même de les brûler si elle les voit encore dans sa chambre. Mais pourquoi maman ferait une telle chose? Je ne sais pas. Je suis juste confus à propos de ce qui s'est passé. Ce qui m'a fait mal de plus est que maman m'a appelé un ritualiste. Hein? Quoi? Toi, un ritualiste? Hey! Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Elle est où? Elle doit me dire ses raisons pour toutes ces absurdités. Elle est où? Elle est sortie environ une heure de temps avant votre retour. Je pense qu'elle sera peut-être chez Maman Noya. Hey. Oh, oh. D'accord, je l'attends ici, qu'elle revienne. Elle doit me dire celui qui l'a nourri avec ses bêtises. Elle doit me le dire. C'est quoi ça? Tu es un ritualiste. À ce moment... Hein? Comment ça? Écoute, mon frère. Je ne sais même plus quoi faire. Les choses vont rentrer dans l'ordre, ok? Calme-toi. J'irai à bout de cette histoire. Allez, mon frère, ne te sens pas blessé. On va s'expliquer. Hein? D'accord? Elisa. Non. Nnamdi, c'est plein à moi amèrement. Comment tu as menacé de brûler toutes les bonnes choses qu'elle t'a achetées de l'Afrique du Sud avec son argent, Elisa. Et tu l'as même taxé de ritualiste. Est-ce que c'est vrai? Nae, tu me demandes vraiment, Izoku. Hein, je te pose la question. Nae, c'est vrai. Namo dit que c'était un ritualiste. Jamais. Nande que nous avions connu hier, ce n'est plus celui que nous avons maintenant. C'est un ritualiste. Je lui ai dit que je ne suis même plus sa maman.
Honnêtement, il n'est plus mon fils. Qui te l'a dit? Hein? Comment le sais-tu? Ngbolisa, comment est-ce que tu es arrivée à savoir que Namdi est un ritualiste? Regarde, n'es-tu pas contente que notre fils que nous avons élevé a voyagé à l'extérieur et est revenu en millionnaire? Oh, ma femme. Naï, pardon, pardon, j'ai pas envie de rester là-dessus. Quoi? Oui, je n'ai pas envie d'en parler. Naï, Nande, c'est un ritualiste, crois-moi. Arrête de dire ça. Oh, peu mon importe, Dieu. Je ne veux plus en parler. Pourquoi parles-tu? Ok, tu es là. Heureusement que tu as tout entendu. Tu as entendu tout ce que nous parlions. Je vais sortir dans la rue pour dire à toute la communauté de Futé que toi, tu es un ritualiste. L'argent que tu donnais aux gens, c'était pour acheter leur destinée. Aïe. Tu pensais que je n'allais pas savoir. Aujourd'hui, ils sauront qui tu es. Aujourd'hui, là même, ils sauront que Nande, c'est un ritualiste. Dégage ici. N'importe quoi. Tu l'écoutes. Hey! 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 L'attitude de maman devient insupportable. Et je ne suis pas content de ça. Je le sais. Hey! Namdi, ne dis pas ça, mon fils. Ne dis pas ça. Elle est ta mère. Hein? Elle est ta mère. Je sais que il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et je crois qu'elle reviendra à ses sens. Elle ferait mieux. Elle reviendra. Parce que ce n'est pas ma mère que je connaissais. Je veux dire, elle agit d'une manière étrange et dit des choses qui ne sonnent pas bien à l'oreille. Hein? Hey! Regarde des choses non fondées qu'elle dit à propos de moi. Pourquoi? Ceci n'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. Mais ne dis rien. Tout ira bien, mon fils. Vraiment? Comment ça? Hey! Dieu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui arrive à ma femme? Maman Esther. Maman? Monte, non? Laisse-moi te ramener à la maison. Le soleil est trop fort pour toi. Maman? Je retourne en Afrique du Sud demain. Monte, ok, afin qu'on échange un peu avant mon départ. Tu vas retourner en Afrique du Sud demain? Oui, papa. Les papiers de ces jeunes que je veux emmener en Afrique du Sud sont prêts. C'est vrai? Oui, tout est prêt. Mais tu devrais attendre que les ingénieurs finissent, non? Hein? Ils ont presque fini le travail. Je sais, mais je pensais que je n'allais pas rester longtemps dans ce voyage. Et c'est ce que j'ai dit à ma femme. Mais je suis ici depuis plus de 3 mois. Et ma femme s'inquiète. Tu parles encore de ta femme là. Tu dois épouser quelqu'un d'ici. Papa, la question maintenant est que ma femme est enceinte. Hein? Et je ne peux pas la laisser seule là-bas. J'ai besoin d'être avec elle. Je comprends. Mais as-tu parlé à ta maman de ton retour? J'essaie de lui dire. Et à chaque fois, elle me pousse des jurons et me quitte. Hey! Que me dit ceci? Que me dit tout ceci? Ah! Mon Dieu! T'inquiète pas, mon fils, hein? Ne t'inquiète pas. Tu m'entends?
le Dieu Tout-Puissant au ciel, veillera sur toi jusqu'en Afrique du Sud et tes activités là-bas. Amen. Ne pense pas beaucoup, non. D'accord. Dieu est au contrôle. Merci, Père. Il prendra soin de toi. C'est une situation terrible. Mais ne t'inquiète pas. Quel bonheur. Je vais bien. Oh mon Dieu, comment tu t'en sors? Ça va. Très bien. Bonjour, bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ouais. Bonjour. Chérie, eux, c'est qui? Ils sont nos gars. Oh, oh, ceux-là que tu avais dit qu'ils viendraient avec toi. Bien sûr. Oh, bien. Bienvenue à tous. Merci, madame. Merci, madame. Chérie, s'il te plaît, amène-les dans la chambre. Très bien. Par là, les gars. Baby, comment te portes-tu avec cette grossesse? Je me porte à merveille. Tu sais que tu es toujours belle, même avec cette grossesse. Oh, arrête. Devine ce qui s'est passé quand je suis allée au Nigeria. Tes parents étaient contents de te revoir. Oui, mais ce n'est pas de cette partie que je voulais te parler. Ok, bon, quelle est la partie que tu veux que j'entende? J'ai parlé de toi à mes parents. Et même à notre roi. Et ils étaient si heureux quand je leur ai fait savoir que tu m'as aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et ils disent qu'ils voudront vraiment te voir un jour pour t'exprimer leur appréciation. Oh, waouh! Je suis aussi impatiente de les rencontrer. Oh, c'est merveilleux. Tu sais que tu es une bonne femme. Merci. Les anciens, je vous salue. Igwe Nguanu. Ya yeah. Zuanu. Ya yeah. Koezuedu. Yo. Mon conseil des anciens. Igwe, Igwe. Aujourd'hui est un jour spécial dans notre communauté. Voilà. Le jour que nous avons prévu pour honorer notre illustre fils. Nandi Okoko Okone. Vous savez très bien que chez nous on dit une perle rare coûte toujours très cher. C'est ça. Ce n'est pas tout, il faut battre le fer. Quand il est tombé. Oh oui, c'est ça. Continue à c'est vraiment bon ça. Tu es ma bénédiction. Amen. Igwe. Mon fils, tu es en train de bien faire. Tu as été une source d'inspiration dans cette communauté. Tu es un grand accomplisseur. Oui. Tu as construit par toi-même une route de 5 km, la route de la communauté Ifuta, qui nous relie avec Umueke. C'est ça. Tu as aussi construit par toi-même l'église catholique Saint-Philippe, là où nous allons nous tous prier aujourd'hui. Oh oui, oui, oh, oui. Oh, oui. Ça c'est vrai. Igwe, bien parlé. Tu as été un abri pour la communauté Igbo qui habite en centre. Effectivement, Igwe. Combien de choses je vais citer. Tu as construit des routes qui nous mettent en contact avec le village qui sont tout autour de nous. À cause de tous ces faits et toutes les choses que j'ai oubliées, moi, Igwe Ogilisi, premier de la communauté de Fita,
Lolo. Igwe. Membre de mon cabinet. Igwe. Et toute la population de la communauté de Futa avons décidé de t'être reconnaissant. Parce que celui à qui l'honneur est donné, beaucoup de choses sont entendues de lui. Et tout le monde dit qu'il y a un gros mec. Oh, mais quoi, Allez, Namde Kwanuma. Igwe. Passe ici. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait ici chez nous. Un homme. Igwe. Oh mon yame. Donne-moi ça. Oh mon anabiso ya solo. Allez. Igwe. Hey. Igo Kesi. Oyo ya biso mwana. Puis-je le couronner? Oh oui, allez-y. Oui. Allez-y, Igwe. Allez-y. Allez-y. Par la présente, j'ai ton or. Avec ce titre honorifique. Ezigbo d'Afrique du Sud. Igwe. Notre fils, notre fierté. Prends ça, c'est à toi. Ça va t'ouvrir les horizons partout, tu iras. Hey, Chai, Ezigbo de l'Afrique du Sud. Igwe, Igwe, Ezigbo d'Afrique du Sud. Igwe, tout ira bien. Ezigbo, Igwe, Ezigbo, Igwe. Oh non. Ok, moi, n'a mon comme Asungi Ekolo, Musungi Abatu. Ezigbo de l'Afrique du Sud, grand-fils. Omekanea. Omekanea. Ezigbo. Ezigbo. Mwana oyo pizza. Omekanea. Ezigbo. Hey, Igwe. 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 Mokonzi. Ezigbo. Oh, papa. Ezigbo. 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 Igwe. Lolo. Oh non, Nditie. Ezibo, Ezibo. Namon, moi. Oh, moi, la nabissomoko. On dit qu'un prophète n'est méprisé que dans son village. Oui, exact, tout à fait. Ça, c'est vrai. Je suis maintenant ce prophète honoré même dans son village. Ezibo. Parce que j'ai de bonnes personnes comme les gens de ma communauté. Exact. Je vous remercie tous. Je veux profiter de cette occasion pour vous inviter tous, Sa Majesté le Roi, de venir chez moi pour la réception. Amnoneba Wekenekum, permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous expliquer. Ezibo, 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 l'homme fort, l'homme fort. Maintenant, je suis un homme riche. Les mêmes personnes ont commencé à dire que j'ai tué ma mère et utilisé ses seins et sa partie intime pour faire de l'argent. Bonsoir. Maman, je t'ai apporté de la nourriture. S'il te plaît, il faut manger afin de retrouver ta santé. S'il te plaît. Tu es un ritualiste. Tu es un ritualiste. Tu es un ritualiste. Alors que tu priais le vrai Dieu. Tu as choisi d'être un ritualiste. Tu es devenu un ritualiste.
Ah mon Dieu, pourquoi ça? Mon fils, regarde-moi. Je vais venir avec Joannis. Joue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aïe. 1, 2, 3. Ok. Oh. Et maintenant, toi, tu as jeté 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. C'est risqué. Ok, laisse-moi jouer. Je crois que ça se passe bien ici. Où ça? J'ai donné l'opportunité à papa de me battre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. 5. Aïe! Est-ce que ça m'a attrapé? Ami, qu'est-ce qui te poursuit? Maman est sérieusement malade. Ah! Je n'en sais rien, j'y étais pour nettoyer sa chambre et je l'ai retrouvée dans un état critique. Elle vient de reprendre sa conscience maintenant. Oh, Dieu merci. Merci. Bon, je crois qu'elle n'a pas mangé pendant beaucoup de jours. Son estomac est vraiment vide. Docteur, est-ce qu'on peut déjà lui apporter à manger? Oui, faites ça. Elle doit vraiment manger avant de prendre ses médicaments. Docteur, pouvons-nous entrer maintenant pour la voir? Oui, vous pouvez, mais elle n'a pas besoin de beaucoup de bruit. Elle doit se reposer d'accord, suffisamment. D'accord, okay. Merci. Suivez-moi. Elisa. Maman. Elisa. Maman. Comment tu vas? Comment vas-tu, maman? Tu es rejoint, Elisa. Elisa. Laisse-moi seule. Non. Non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu es venue? Pourquoi tu es venue ici? Sors de ma chambre. Pourquoi tu dis ceci? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, mais... S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez sortir. Elle ne veut pas vous voir ici. Elisa. Elisa. Pourquoi tu fais ça? Je chasse tout esprit de maladie Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oh, sœur Elisabeth, le Satan Amen. Est menteur. Tu au ne vas pas de mourir, Jésus. Mais vivre. Amen. Tu vas vivre pour expérimenter la gloire du Amen. Seigneur. Satan, tu es un menteur. Amen. Sœur Elisabeth, tu dois vivre Amen. Et non mourir. Au nom tu de dois Jésus. Accomplir ta destinée et glorifier Amen. Le nom du Seigneur. Amen. La Bible nous dit que Amen. Tout ce qui Dans est décidé sur terre Jésus le Christ, sera aussi au Jésus. Ciel. C'est pour cela que je déclare Christ. Que tu vives. Amen. Tu ne mourras Amen. Pas. Amen. Satan, tu es un Amen. Menteur. Satan, tu es un menteur. Sœur Elisabeth, tu ne vas pas mourir, mais vivre. Amen. Tu ne vas pas mourir, Amen. Mais tu vas vivre. Amen. Tu dois vivre pour glorifier Amen. Le Seigneur. Amen. Car la Bible Amen. Nous dit que Amen. Tout ce qui est décidé sur terre le sera aussi Amen. Au ciel. Voilà pourquoi je déclare que tu vives. Tu ne vas pas mourir. Tu dois vivre. Sœur Elisabeth. Amen. Oh mon Dieu. Oh le Dieu tout-puissant. Oh je déclare que tu vives. Au nom puissant de Jésus, Amen. Tu dois vivre Amen. Et non mourir. Amen. Dieu a mis fin à ton Amen. Malheur. Amen. Il a mis fin à ta maladie. Il Amen. A mis fin à ta peine. Au nom de Jésus. Voilà Amen. Pourquoi je déclare Amen. La vie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça va maintenant. Amen. Gloire à Jésus. Gloire Amen. Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tout va bien. Amen. Amen. Merci Jésus. Je suis désolée. On l'a perdu. Oh. Maman. Oh. Non.
Non, 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 non. Pas toi. Non, ça va, ça va. Hey, tu ne dois pas mourir. Ma soeur, hein? Tu dois vivre. Oh. Sœur Elisabeth, tu ne dois pas mourir. Tu dois vivre. Oh mon Dieu, sauve ta fille. Sauve ta fille, Seigneur. Tu ne dois pas mourir. Dieu sait que je n'ai pas tué ma mère. Oh, mon gars m'appelle de l'Afrique du Sud. Ça, c'est bien. Il est déjà rentré. Allô, mon gars. Ezibo, le général. Bonsoir, mec. Bonsoir. Comment a été ton voyage? C'était super cool. Bien, ça, c'est très bien. Tu dois bien te reposer ce soir. D'accord, mec. Parce que ma femme va te donner certaines marchandises demain matin. Okay. D'accord, mec. Bonne nuit. Passe une bonne nuit. Mon cœur. Ouais, chérie. Oh, mais que fais-tu ici? Viens juste avec mon j'essaie coeur. De répondre à certaines. Allons dans la chambre. Mon ange, mon bébé. Jacob. Oui, madame. Vous devez être très prudent, ok? D'accord. Les flics sont partout. C'est compris? Oui, madame. Bien. Prends ça. Essaye du mieux que tu peux d'éviter l'artère Mandela. Et je pense que ce serait plus simple si tu passais par le parc national de Kruger, ok? Ok, madame. Je veux pas de plan foireux. C'est compris? Ouais, c'est compris. Bonne chance. D'accord. Merci, madame. Bonjour, Ezibo. Bonjour, frère Isaac. S'il vous plaît, pouvez-vous me déposer vers le marché de Orient Fété? Je ne vais pas arriver jusqu'au marché de Orient Fété. Ok. Parce que je rentre à la maison. Très bien. Mais vous pouvez monter. Je vais vous déposer au niveau du carrefour blanc et de là, vous pouvez continuer. Ok, oui. C'est bien alors. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Voici 5000 Naira, d'accord? S'il vous plaît, il faut l'utiliser comme frais de transport pour votre destination. Merci beaucoup. Je suis content. Mon Dieu vous élèvera à un très haut niveau. Amen. Ta famille et toi. Amen. À ton aller comme à ton retour, il sera avec toi encore et encore. Amen. Le Seigneur sera avec toi partout Amen. Où tu iras. Oh, je suis vraiment content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you.
que le frère Isaac est entré dans la voiture des Zibo. Hein? Il a même pris l'argent provenant de lui. Hey! Mais il est celui qui nous avait demandé, moi et Elisabeth, d'être vraiment loin de Ezibo. Et il avait juré qu'il était un féticheur. Hey! Il a poussé mon amie Elisabeth de détruire son propre fils et de se tuer elle-même. À cause de ce soi-disant fausse révélation. Hey! Cet homme est vraiment un sorcier, oh! Hey, Elisabeth, viens voir cet homme, comment se jouer de nous. Il est vraiment un mauvais type, je le jure. Hey. Hey. Asa la canne boye. Hey. Alors, chérie, comment vas-tu? Quoi? On a tiré sur nos sorts? Comment ça? Oh mon Dieu, qu'en est-il de mes marchandises? Je pense que tout est intact. Oh merde, ce n'est pas vrai. D'accord, d'accord, chérie, s'il te plaît, reste calme, comme rien ne s'est passé. Et ne te dérange pas, juste calme. Bienvenue, mon chéri. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est Nonso? Oh, bébé, tu viens d'arriver à la maison. Tu devrais d'abord prendre une douche, te détendre, puis on verra. Tu sais, c'est très urgent. Ce gars s'amuse avec mes marchandises et il pense que je vais le rater. Où est-il? Ok, je pense qu'il est dans sa chambre. Appelle-moi. Très bien. Merci. Nonso? Eh oh? Nonso? Bienvenue, boss. Merci. Que s'est-il vraiment passé? Moi et Jacob, nous allions au lieu de rendez-vous habituel. Et pendant que nous étions en cours de route, j'ai réalisé qu'il y avait un véhicule qui nous suivait. Je l'ai dit à Jacob et lui ai demandé de rouler un peu plus vite, chose qu'il avait faite. Alors, après nous être débarrassés de ce véhicule, nous avons préféré prendre une autre route. Pensant que nous les avons échappé. Soudainement, un autre groupe surgit et nous avait dévancé. Aisé, j'ai fait ce que je pouvais. J'avais fait de mon mieux pour les arrêter. Mais ils m'ont tiré dessus et sont partis avec le crack.
Donc, tu attends réellement à ce que je croie à ton histoire rocambolesque. Tu as juste 30 minutes pour chercher mon crack, ou je vais rendre ta vie très misérable. Dis à Jacob qu'il ne sera pas exclu. Alors, tu n'arrives pas à trouver mes marchandises. Qu'en est-il de Jacob? Il ne fait pas partie de la bande? Bien sûr, il fait partie. Bébé, tu sais quoi? Tu ferais mieux de commencer par te rafraîchir pendant que moi je dresse la table. D'accord? Écoute, mon cœur, arrête de te déranger comme ça. Hein? Essaye de mettre ça de côté pour l'instant. Ok? L'argent? Comment ça? Est-ce que le boss a mentionné mon nom? Oui, c'est ça. Il a dit que nous devons remettre cette drogue. Je ne sais pas. J'ai essayé de... Je lui ai tout expliqué. Je ferai comment? Je n'en sais rien du tout. Je ne suis qu'un simple chauffeur. Tu étais là lorsque tout est arrivé. Mec, je suis juste confus. Je ne sais pas ce que je peux encore lui dire. Tu as vu tout ce qui s'est passé? Hein? Il m'avait presque tué. Je perdais déjà ma vie. Mais il insiste que nous devons toujours payer ça. Mais là, tu suggères quoi? N'est-ce pas que c'est aujourd'hui que nous devons commencer un nouveau travail pour lui? Nous ne pouvons pas juste nous... Hein? Ah, vous êtes là. Le boss vous appelle. Dans cette vie, tu dois être malin. Sais-tu pourquoi? Tu sais, si tu n'es pas malin, tu ne pourras jamais réaliser tes objectifs. Tu feras partie de ceux-là qui parlent de ce qui est arrivé et jamais de ceux-là qui font que cela arrive. Regarde, Nonso, ça c'est une grosse opportunité pour que tu rejoignes une équipe supérieure. L'équipe de ceux-là que tu vois à la présidence, que tu vois au Sénat. L'équipe qui te donnera ce que tu mérites. C'est pas Ezibo. Devine quoi? Tout ce que tu as à faire, aussitôt que tu auras la poudre blanche, tu me la passes et je m'occuperai du reste. C'est très simple. Patron, tu as bien parlé. Tu as bien parlé, patron. Tu as vraiment raison. Tu as vraiment raison. C'est très simple. Mais j'ai juste un seul problème. Ouch est le genre de personne que Ezibo est. Si jamais j'essayais ça, si jamais j'essayais, il va s'occuper de moi. Ezibo va s'en charger de moi. Et il va me détruire. Non, ça. Je vais te protéger. Ne t'inquiète pas à propos de Ezibo. Tout ce que je te demande est de m'appeler lorsque tu auras les trucs. Un coup de fil, c'est tout. Le reste, ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai sans faute, ok? Tu comprends? Hey! Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas où. Je suis là. C'est trop risqué. Il n'y a rien de grave, ok?
C'est trop risqué. Bien, c'est un risque, mais tu dois être fort. C'est ce que les hommes forts font. Plus tu en fais, plus tu deviens un homme. Ok, les gars, c'est bon, on le fait. Hé, hey, Nosso vient de m'envoyer un message. Et qu'est-ce que ça dit? En fait, le message dit... Salut les gars, je suis en route et je me dirige vers le parc national de Groga. S'il vous plaît, rassurez-vous d'accomplir cette mission. Ok les gars, on fait ce qu'il faut. Le temps. Très bien, Roguet aura la mission de filer ces gars. Quand toi, en fait, Queen et toi resterez avec nous. D'accord. C'est compris? Très bien. Oh mec, tu dois filer ces gars maintenant là, ok? C'est bon. Tu as une mission à accomplir maintenant là. D'accord, je le ferai. Très bien, bouge. Nous devons partir, on n'a pas assez de temps. Nous n'avons pas de temps. Voilà, il s'étire d'ici. Nous restons tous ici. Tout le monde doit être en alerte. D'accord. Ok, très bien. Chérie, je crois que tu devrais arrêter de torturer ce mec. Parce que depuis, il n'a rien dit de consistant. Peut-être qu'il n'est pas coupable. Et d'autre part, Jacob, il est déjà mort. Chérie, peux-tu essayer d'oublier tout ceci, s'il te plaît? Chérie, tu dis que je devrais oublier mon crack d'une valeur de 4 millions de dollars, juste comme ça? Non, ça n'arrivera pas. Bébé, peux-tu mettre un terme à tout ceci? Je t'en prie, je sais que tu peux le faire. On est tu pour causer la cause. No matter what they say, no matter what they do. Ezibo ça, Gabaniru. Ezibo est sans cœur. Hein? Ezibo est son Mais comment, cœur. Comment il peut faire ça? Il m'avait presque tué. Ezibo, t'as vraiment fait ça? Hein? J'ai vu la mort en face. Hey! Ezibo m'avait presque tué. Si tu vois ce qu'ils nous ont fait, c'était une expérience terrible. Mon chauffeur a même rendu l'âme. Oh! J'étais presque au point de cracher la vérité, mais je me suis dit, je dois être fort, je ne vais pas abandonner. Sinon... Regarde, c'est exactement ce que je te dis. C'est exactement ce que je te dis. Tu dois les quitter. Tu dois l'abandonner. Ezibo est capable de tuer son propre frère. Comment il peut te faire ça? Je t'ai dit vrai. C'est pas grave, juste va-t'en. Va te reposer. Je m'en occuperai. Laisse-moi tout. Je m'occuperai des Ibo. Il saura pourquoi on m'appelle Liquid Metal. Je vais lui montrer. C'est quoi ça? Aquamia, Lokomado, Nassaut, et Kenkeneme. Ezibo, cette fois-ci tu as exagéré. Regarde ce que tu as fait à Nosso. Malgré qu'il t'avait dit qu'il ne connaissait rien, tu l'as tabassé à mort. Aquamia, je te connais depuis des lustres. Et je ne suis pas surpris de ta déclaration. C'est évident que tu étais en complicité avec mon gars pour me duper. C'est très stupide ce que tu fais. Je t'appelle juste pour... Tu dois être un idiot pour s'immiscer dans mes affaires. Tu dois être un idiot et tu dois l'accepter. Et que ça soit la dernière fois que tu as pris ton putain de téléphone pour m'appeler à propos des sujets pareils. Quelle bêtise.
souviens-tu? J'étais allé au salon me faire coiffer. Alors, comment Aquamia a appris que je suis responsable de tes blessures? Je l'ai rencontré au salon. Et tu lui as dit? Donc, tu lui as dit? Va préparer ta valise. Dans 2 jours, nous prendrons le vol pour le Nigeria. Ancien. Igwe. Notre fils, Ezibo, a apporté un cas auprès de moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion urgente. Pour que nous puissions délibérer sur ça et les traitions amicalement, parce que c'est un problème délicat. Ezekbo. Igwe. Peux-tu dire aux anciens ce que tu m'as dit? Igwe, longue vie à vous. Continue. Les aînés du royaume des Fité, je vous salue tous. Ezibo. Ezibo. Voici, assis ici, Nonso, mon assistant. Et ici, nous avons Etier Odé. Nous le connaissons tous. Il est l'oncle de Nonso. Après l'enterrement de ma mère, je ne pouvais pas retourner immédiatement en Afrique du Sud. Parce que je devais rester un peu pour arranger certaines choses. Donc, j'ai envoyé Nonso d'aller gérer mes affaires. Malheureusement, 2 jours après son départ, il m'a appelé pour me dire que certains gars lui ont tiré dessus et se sont enfuis avec mes marchandises d'une valeur de 4 millions de dollars. Oh. Hey, non. 4 millions. Non. Hey, 4 millions. C'est pourquoi je lui ai fait venir afin que Votre Altesse et les chers aînés, vous m'aidiez à le supplier de rendre mon argent ou me dire où se trouvent mes marchandises afin que j'aille les chercher. Oui. Nonso, tu as entendu ce que ton maître a dit. Alors, qu'est-ce qui est réellement arrivé? Igwe, je vous salue. Mes anciens, je vous salue tous. Les marchandises m'ont vraiment été ravis au point des débarquements. J'avais essayé de résister. Mais on m'a tiré dessus. Igwe, regardez mon bras. Mes anciens qui êtes là, regardez mon bras. J'ai toujours été loyal envers Ezekbo. Il est mon boss. Je ne peux en aucun jour mordre la main qui m'a nourri. Si j'avais ma main dans ce qui s'est passé pendant la torture, j'aurais fini par dire la vérité et aurais dit tout ce que je connais à propos de ça. S'il vous plaît, Igwe, et mes anciens, je vous en prie, aidez-moi à supplier mon boss, Ezekbo, de bien vouloir croire que je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Nonso, écoute, est-ce que tu étais allé à la police quand toutes ces choses se sont passées? Hein? Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait? Pourquoi? J'étais confus. Cela ne m'est pas venu à l'esprit. Je suis désolé. Imagine. Mais tu es déjà un suspect. Lorsque cela était arrivé, tu n'as même pas pu informer la police. Essaies-tu de nous dire que si cette marchandise t'appartenait, tu n'aurais pas informé la police? Honnêtement, toute cette histoire est compliquée. Nous avons entendu Nosso dire que la marchandise lui a été prise
par des voleurs armés. Alors, comment espérer quelqu'un qui a reçu une balle d'aller faire une plainte à la police? Il devrait d'abord penser à aller à l'hôpital le plus proche pour être bel et bien traité et non aller voir la police. Chef Oudé, tais-toi, mon frère. Tais-toi. Quoi? Tais-toi. Écoute, tu n'as pas le droit de te prononcer sur cette question. Ferme ta bouche. Écoute-toi toi-même. Itié Okonkwa, ne me demande pas de rester calme, car je suis tellement sûr qu'au nom où que nous voyons, on ne lui a jamais tiré dessus. C'est pourquoi il n'arrive pas à comprendre ces garçons. Oh mon Dieu, Itié Okonkwa, est-ce que tu fais allusion à moi? Fais-tu allusion à moi? On ne t'a jamais tiré dessus. C'est bon, calmez-vous. Ezekbo, si je dois suggérer, s'il te plaît, peux-tu être en mesure d'oublier ces problèmes, eu égard aux douleurs et aux blessures que ce jeune homme porte? Alors si il a vraiment participé à la disparition de ces marchandises, les dieux de nos ancêtres seront derrière lui. Mais si ses mains ne sont pas dedans, les dieux de nos ancêtres vont-ils les rembourser au centuple? Je t'en prie, mon fils. Avec tout le respect, Votre Altesse, je ne vais rien prendre en considération. Je ne vais pas laisser cette affaire aux dieux. Il faut qu'il rende mes marchandises ou mon argent. Voilà. S'il ne le fait pas, quelque chose de dramatique lui arrivera. Chikina. Ezekbo. Reviens, Ezekbo. Ezekbo. Mon oncle. Voilà. Comment ça va? Oui. Bienvenue, mon fils. Ah, oncle. À qui appartient tout ça? Tout ça? Oui. C'est pour toi. Oncle, je ne peux pas partir avec tout ça à l'aéroport. Je ne peux pas prendre tout ça. Pourquoi? Mais tout ce que tu devras faire, c'est de demander au conducteur de mettre tout ceci dans le coffre. Oncle, l'avion et les transports sur la route ne sont pas la même chose. Ils sont vraiment très différents. Voilà pourquoi je ne peux pas prendre tout ça à l'intérieur de l'avion. Ne t'en fais pas, oncle. J'irai mieux. Voyons voir. Oncle, s'il te plaît, prends cet argent et prends bien soin de toi. C'est juste un peu d'argent. Tout ça pour moi? Ouais, c'est pour toi. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. C'est bon, mon oncle, je dois partir maintenant. Vraiment? Ok, viens, viens. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te protège. Amen. Que Dieu te guide à ton retour en Afrique du Sud. Amen, mon oncle. Que Dieu te bénisse aussi. Alors, quand est-ce que je te verrai encore? Si Dieu le veut, je crois bien à Noël. À Noël, je serai ici. Ok, Noël. Comme ça, nous aurons du temps pour se réjouir. Madame, Kenne madame moi. Ouais, ça va. Bon voyage à toi, mon fils. Bon voyage, mon fils. Mon bembo, madame. Namikili Apoto. Pouvez-vous imaginer tout ceci? Laisse-moi reprendre ça. Les voyages en espace. Oh. Alors, comment ça s'est passé? À chaque fois, la même vieille histoire. Il a insisté que je retourne la marchandise. Ou lui retourner l'argent. Non. Il a insisté que je puisse lui ramener sa marchandise. C'était un peu ça les débats devant les anciens et les Igwe. Tu sais, la marchandise. Oui, chérie. Chérie, c'est comment? À propos de ce que tu m'avais dit, je t'attends, s'il te plaît. Ok, c'est bon.
À chaque fois que je promets, je réalise. Tu me connais, non? D'accord. Ouais, continue. Tu sais, cette fois-ci, il a même menacé de me ôter la vie. Tu sais, je vais te dire, oublie Ezibo. Ezibo, c'est comme un tonneau vide. Il fait beaucoup de bruit. Oublie toutes ces menaces. Calme-toi. Profite de ta vie. Non, ça? Omaka. Sais-tu pourquoi on m'appelle Liquid Metal? Sais-tu pourquoi on m'appelle Aquamia? Liquid Metal. Aquamia Dogu. Ajoute Liquid Metal. Aquamia Dogu. Ajoute Liquid Metal. Aquamia, le faiseur de roi. Ah, voilà. Écoute, je suis derrière toi. Oui, c'est ça. Ezibo, c'est un petit. Tu as raison. Tu as déjà informé qu'il est de retour à Djobourg? Non, il n'est pas de retour. L'as-tu vu? Je l'ai vu plus tôt dans la journée, il faisait des achats avec une fille. Oh, Nonso dilapide en toute confiance mon argent. Hein? Nonso m'a doublé. Mais je vais le faire savoir. Que la bouche qui goûte le morceau de fer n'aura plus de dents pour raconter l'histoire. Oh, ce gars mange mon argent comme du biscuit. Chérie, qu'est-ce que cela veut dire? Ne te dérange pas. C'est un adage. Peu importe, viens par ici. J'ai appris que Nonso est dans la ville. Allez le chercher et ramène-le-moi. Oui, boss. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, boss. Bien. Et ne revenez pas sans lui. Oui, boss. Ouais. Je viens de le voir. Il parle au téléphone. Mec, regarde cette fille-là. Mec, Nonso est vraiment bien en matière de femme. Attendons juste qu'il bouge. Ouais, on va faire comme tu as dit.
niveau. Il est à l'intérieur. Amène-le. Oui, boss. Mon garçon. Non, so.
J'espère que tu t'étais bien amusé avec mon argent. Parce que, à présent, c'est mon tour. Bob. Ouais, boss. Puis-je avoir ton ange gardien? Hey, le boss. Ouais. Liquide métal. Le boss. Aïe, aïe, aïe. Le tout puissant. Hey, l'homme en question. Le faiseur de roi. Omega. Le liquide métal. Je peux bien voir que vous êtes tous prêts, hein? C'est évident, boss. Mais je n'ai pas vu Nonso. Où est Nonso? Il n'est pas encore de retour, il est sorti. Dites-lui. Il doit être prudent de la façon dont il se promène avec sa petite amie, hein? Personne n'est sans ignorer que son ancien boss est en colère contre lui et c'est un malade, ce type-là. Il faut lui dire ça. Chérie, ne t'inquiète même pas pour lui. Il est si grand pour prendre soin de lui-même. C'est quoi? Espérons-le. Allez, okay. Le gars, à plus. Okay. D'accord, oui, boss. Bye. Très bien. Au revoir. Qu'il a reçu le message. À quoi mien? Comment puis-je t'aider? Yezibo, tu as commis le pire, n'est-ce pas? Non, écoute-moi. Toi, écoute-moi. Tout est très clair maintenant. Ok. Udo. Oh non, tu es vraiment sans cœur. Écoute, non. Écoute, si je t'ai appelé, c'est pour que tu puisses m'écouter. Tu es vraiment très méchant. Après tout ce que Nonso a fait pour toi, c'est comme ça que tu le remercies? Tu as voulu sa mort, tu as insisté et tu l'as tué. Oh mon frère, t'as exagéré. Man, écoute, tu m'entends? Tu as dépassé les bornes. Tu as vraiment tout gâché. Ezibo, Bia, viens prendre son cadavre là où tu l'as laissé devant mon portail. Va l'enterrer. Mais moi, je vais te montrer pourquoi on m'appelle Liquide Métal. L'homme que tu vois, mais tu ne vois pas du tout. Je vais t'enseigner une leçon que tu n'as jamais apprise. Non. Toi, écoute-moi. Je t'ai appelé, ok? Donc, tu dois m'écouter. Écoute! Viens prendre son cadavre et va l'enterrer. Mais tu sais quoi? Tu auras de mes nouvelles. On verra bien. Aqua Amia, les liquides métal, les trafiquants les plus dangereux. C'est quoi ça? Allez, arrête! Je ne veux plus te parler. Espèce d'idiot. Apporte-moi une bouteille. N'importe quoi. Apporte-moi une bouteille, vite! Vous êtes tous des petits joueurs, oui. Je ne vois personne ici. Ah, écoutez, je vais vous battre. T'es un petit joueur, tu ne sais même silence, pas jouer. Silence, mec. Tchao, je t'ai eu, non? Rien du tout, mec. Tu n'as rien à faire ici. Oui, vas-y. Vas-y, mec, vas-y. Allez. Si je ne gagne pas ces matchs, franchement, je ne sais pas. Bam, tiens ça. Jouez, non? Vous avez peur? Tu parles beaucoup, mais tu ne vas rien faire. Hey! Trop bien. Jouez. Regardez. Ce que je sais faire. Tu penses déjà mon attaque? Regarde ce que je vais faire. Allez. Tiens ça. C'est quoi ça? Vas-y. Joue maintenant si t'es un homme. Regarde, tu ne sais pas jouer toi, hein? Et là, allez, tu veux jouer avec ça? Allez, hein? Joue avec ça. From grass to
been an easy race. Oh, from nothing to something. Now you lack nothing. You can afford almost everything you need. And that is life. That is life. O toi, quoi c'est à you may be down today, but tomorrow you can rise to the top by the grace of God. All those that mocked you when you were down will start singing your praise when you become something. Onu kulunjo gekuma o, onu kulunjo gekuma esipo gabani ruo. It's in our south, and hold on to the east. What they do, oh, oh, oh. Yeah. Gabaniru, yes, it was South Africa, yeah. Chupukinazu, opukinazu, opukinazu, Gabaniru. What can you do to satisfy people? If you do nothing, they will complain. Ah, if you do something, more complain. It is so hard to please people, Chai, it's it for South Africa, Gabaniru. Continue with your good works, Gabaniru. God will bless you, will protect you, he will guide you. It's it for South, it's it for South. Onukulu choke pesia, woma.